Adélaïde et Ibrahim, tous deux souffrant de rhume, se rendent dans cette pharmacie pour s'acheter des médicaments. Ignorant les effets secondaires du traitement par voie orale de cette pathologie, les deux patients sont tout de suite informés par les pharmaciens. Ils doivent prendre plus de précautions. C'est maintenant que j'apprends que les médicaments de rhume ont des effets secondaires, suite à ce que le médecin m'a dit, sinon je n'étais pas informé. Je viens d'apprendre tout à l'heure par le médecin qu'il faut éviter, il y a certains médicaments de rhume, il faut éviter. Donc je prenais plus de précautions maintenant pour éviter le pire. Prendre plus de précautions car certains médicaments anti-rhume sont néfastes pour la santé selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pour le docteur Alain Yao, mieux vaut les éviter et consulter un médecin en cas de maladie. Comme effet secondaire des médicaments contre le rhume, on peut citer les causes possibles d'accidents cardiovasculaires, une exacerbation de l'hypertension artérielle. C'est ainsi que nous allons demander à tous les patients qui suspectent ou qui sont sujets à une hypertension de consulter un médecin pour un meilleur suivi médical. Tous les médicaments contre le rhume n'entraînent pas les effets secondaires précités. Lorsque vous ressentez des symptômes, il est conseillé de vous rapprocher du médecin ou de votre pharmacien. Les populations sont donc invitées à plus de vigilance. Mieux vaut prévenir que guérir.